sirène, mais je vais quand même faire pas mal de victimes. Alors là, je vais directement dans la maison opposée à laquelle je suis apparue, mais malheureusement, un ennemi était là pour m'accueillir. Donc ici, l'ennemi n'est pas à la portée de mon space 12. Alors je fais le tour. Et il ne faut jamais oublier de recharger. La partie ne commence pas très bien. Dès le début, je me suis fait tuer deux fois. C'est pas super. Je pose une clé d'or dans les escaliers pour m'avertir d'un passage ennemi. En fait, le truc qu'il faut faire, c'est que je vous conseille en fait d'aller dans une maison, de la vider et de passer à la maison en face pour recommencer ceci. Pour passer d'une maison à une autre, il ne faut pas y aller bêtement, je le dis, parce qu'on peut vite se faire descendre. Par exemple, si on passait à droite, les ennemis pourraient nous avoir avec parce qu'ils ont sûrement des armes automatiques, alors vaut mieux faire le tour par camion et le bus. Là, je savais pas trop quoi faire. Comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo sur Fire & Range, je n'utilise pas tout de suite mon colis stratégique pour ne pas gâcher ma série d'élimination. J'ai atteint les 10 victimes, désormais ça va un peu plus bouger. Là j'avoue que j'avais un peu paniqué avec le star. Maintenant que j'ai les chiens, je vais pouvoir faire la combinaison avec l'artilleur qui permet de tuer les ennemis à l'extérieur pendant que les chiens s'occupent des ennemis à l'intérieur. Nuketown est la plus petite des cartes, ce qui me permet de tuer beaucoup d'adversaires en peu de temps. Ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est terminé, j'ai fait le kill game final. J'ai tué 26 personnes et je suis mort deux fois, ce qui fait un beau ratio de 14.